L'industrie française pourrait recruter 200 000 travailleurs étrangers. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a déclaré ce samedi 25 novembre que l'industrie française pourrait avoir besoin d'accueillir entre 100 000 et 200 000 travailleurs étrangers dans les 10 ans à venir. Il a plaidé en faveur d'une immigration raisonnée et raisonnable. D'ici à 10 ans, l'industrie française devra pourvoir à 1,3 million d'emplois, tandis qu'entre 800 000 et 900 000 personnes prendront leur retraite. Il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration, a souligné Roland Lescure, ajoutant que la nation française doit redevenir une nation industrielle, écologique et souveraine. Au cours de la prochaine décennie, certains secteurs spécifiques, tels que la soudure et la métallerie, pourraient manquer de talents, même si la France parvient à former 800 000 à 900 000 jeunes. Roland Lescure a estimé qu'il pourrait manquer encore entre 100 000 et 200 000 talents. 100 000 à 200 000 étrangers ne représentent pas le grand remplacement, ce n'est pas un tsunami, a souligné le ministre. Il a précisé qu'il ne prenait pas une ouverture massive des vannes de l'immigration économique. Concernant le projet de loi sur l'immigration qui sera présenté ce lundi à l'Assemblée nationale, Roland Lescure a exprimé sa confiance en Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour faire adopter ce texte, se montrant optimiste quant à sa réalisation. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine !